Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque la troisième conférence après la première problématique sur le basket féminin et le mini-basket. Aujourd'hui, nous allons aborder une conférence sur le basketball de haut niveau. Donc, on a notre invité Ramon Jordana, qui est le responsable du cyclé 21, qui est aujourd'hui présent. Il va nous parler du basketball de haut niveau en Catalogne Sud. Bon dia a tothom. Avui començarem la tercera conferència després d'haver parlat del bàsquet femení i del minibàsquet, els petits. Tenim el senyor Ramon Jordana, responsable de la selecció de bàsquet espanyola, que ens parlarà del bàsquet d'elit. Primer, disculpar-me. Dia de tornada de vacances, col·lapse a la frontera. Il s'excuse d'être arrivé en retard parce que les vacanciers reviennent et il y a des années prochaines. Il y en a contrôlé et heureusement. A Catalunya, abans de començar pràcticament amb la conferència... En Catalunya, abans de començar la conferència... Vam comentar ahir que hi havia una gran distorsió. On avait commenté hier qu'il y avait une grande distorsión. Entre el nivell i la potència de la capacitat en la formació. Entre el nivell i la potencialitat i la força de la capacitat de formació. I el número d'estructures d'elit que suportem. Et le nombre de structures d'elit qui suporte. Això, com vam dir ahir, és degut a gran varietat i el gran número d'esports d'elit diferents. Ceci est dû à la grande variété de sports d'elit différents. Que fa que les subvencions públiques a Catalunya no arribin directament a l'esport professional. Qui font que les subvencions publiques en Catalunya Sud n'arrivent pas directement au sport professionnel. No. Llavors, el que fem, el que sí fa és ajudar en el procés, diem, primari abans de l'elit, no? Mais ce que oui, a fait, c'est aider dans le processus primaire avant d'arriver à l'elit. Llavors, la Federació Catalana té estructurat un programa per detectar i seleccionar els talents molt poderós. La Federació Catalana a un programa per seleccionar i detectar les talents. Très puissant. A Catalunya hi ha 17 centres masculins i 17 centres femenins. En Catalunya hi ha 17 centres masculins i 17 centres femenins. Que treballen durant tot l'any. Que treballen pendant tot l'any. Amb l'únic objectiu de seleccionar els talents que tinguin opcions d'arribar a l'elit. Avec le seul objectif de seleccionar les talents qui ont la possibilitat d'arriver a l'elit. Els camins són diferents entre homes i dones. Les chemins sont différents entre hommes et femmes. Perquè l'estructura professional masculina. Parce que la structure professionnelle masculine. Té prou potència per tenir programes d'exigència. Est assez puissante pour avoir des programmes d'exigence. Però en el món femení aquesta possibilitat no existeix. Mais dans le monde féminin, cette possibilité n'existe pas. I llavors existeix un centre de rendiment semblant a l'INSEP de París. Il existe un centre de entraînement semblable à Paris. INSEP? Ah, INSEP. Oui, vous connaissez l'INSEP de Paris. Semblant a l'INSEP de París, on tenim les millors noies. Oui, ils sont les meilleures filles. Dels 14 als 18 anys. De 14 als 18 anys. En un programa d'entrenament d'elit. Dans un programa d'entrenament d'elit. Per què als 14 anys? Pourquoi als 14 anys? Perquè als 14 anys és centre a la segona gran fase d'aprenentatge. Parce que les 14 anys c'est toujours la seconde grande phase d'apprentissage. I als 18 anys ja els deixem a la universitat. I als 18 anys ils laissent déjà à l'université. La característica principal d'aquest programa d'elit. La característica principal de ce programa d'elit. És que la pèrdua de l'escolaritat. Et que la perte de l'escolarité. Suposa la pèrdua de la beca. Suposa la perte de la bourse.
amb la qual cosa garantim que tots els esportistes que entren avec laquelle on garantit que tous les sportistes qui rentrent acaben a la universitat. Finissent à l'université. Després és la seva opció fer amb la seva vida el que vulguin. Après c'est leur choix de faire la série qu'ils veulent. Sí. Començant això, direm, quan parlem de basquetbol d'elit, quand on parle de basketball d'élite, ni tan sols parlem de salut. On ne parle même pas de santé. Per tant, ens hem de treure al cap la idea d'esport com a element socialitzador, esport com a element saludable, esport... Il faut qu'on s'enlève de la tête l'idée de, du sport en tant qu'élément de sociabilité et de santé. L'únic que es busca en l'esport d'élite... La seule chose qu'on recherche dans le sport d'élite... És el màxim rendiment. C'est le maximum, de donner le maximum. I això ho diu la semàntica, no? Et ceci le dit la sémantique. Basketball és un esport col·lectiu d'oposició, de col·laboració o oposició. Le basketball est un sport collectif de collaboration et opposition. I l'élite és una minoria selecta i destacada en un àmbit social i en aquest cas en una activitat esportiva. Alors que l'élite est une minorité selecte et qui se détache dans un entourage social ou dans une activité. Per tant, el basquetbol d'élite és un esport de col·laboració o oposició. Donc le basketball d'élite est un sport de collaboration opposition. Pratiquat per una minoria selecta. Pratiqué par une minorité selecte. I no podem perdre de vista això. Et on il ne faut jamais perdre cela de vue. Les estructures del bàsquet a Catalunya no es poden sostreure de les estructures del bàsquet de l'estat espanyol, en l'élite. Les structures de bàsquet d'élite de la Catalogne ne peuvent pas se soustraire aux structures du bàsquet espanyol. Llavors hi ha la CB, és una lliga professional absolutament independent de la federació. Il y a la ACB, una lliga professional independent de la federació. De fet, és una societat particular. En fait, c'est une société particulière. La Lliga Femenina de Bàsquet. Après, il y a la Ligue Féminine de Bàsquet. Aquesta sí depèn de la federació. Qui, oui, depèn de la federació. Tot i que està estructurada amb una associació de clubs. Même si elle est structurée avec une association de club. I després hi ha les categories, l'Eport, que és el segon nivell de nois, Lliga Femenina 2, que seria la segona lliga de noies. Et après il y a les catégories les bords, qui sont c'est masculin, les hommes. La L'Eport, la podríem considerar una lliga gairebé professional. L'Eport est une ligue presque professionnelle. Bé, L'Eport significa Liga Espanyola de Basketball. Or, sí. Or. Oui. No? Oh, sí. I la Lliga Femenina 2, una lliga semiprofessional, no? C'est une ligue semiprofessional. L'estructura per arribar-hi és a través del programa de detecció i perfeccionament que ja n'hem parlat, a través de les seleccions, a través del centre de formació femení, no? Pour y arriver... Sí, si arriba a través del programa de detecció... On y arrive a través del programa de selecció. Del programa de detecció. De detecció. I del centre femení. Eh? Et du centre féminin. Com es manté això? Comment on maintient cela? Tenim un greu problema, que és les lleis europees. On a un grave problème, que ce sont les lois européennes. Que ha obert el trànsit absolut de jugadors. Qui a ouvert le marché des joueurs. Dins de tota Europa, sense cap limitació. Dans toute l'Europe, sans limitation. I això significa dificultats per incorporar els joves als equips professionals. Et cela pose des difficultés pour incorporer les jeunes dans les équipes professionnelles. Perquè els equips prefereixen experiència. Parce que les équipes préfèrent l'expérience. A treball de futur. Plutôt qu'au travail de futur. Una altra cosa que afecta, sobretot, excepte els dos o tres equips més grans, Barcelona i Madrid...
Une autre chose aussi qui affecte, sauf les deux équipes, qui concerne toutes les équipes, sauf les deux plus grandes, Barcelone et de Madrid, c'est la crise économique que està provocant una reducció de les plantilles. Qui est en train de provoquer une réduction des plantilles. Tot això comporta grans dificultats per incorporar nous talents a l'elit. Tout cela comporte de grandes difficultés pour incorporer de nouveaux talents à l'élite. Parlem de coses, qu'est-ce un talent, no? On parle de qu'est-ce qu'un talent. Un talent és algú que destaca en alguna cosa. Qui se détache dans quelque chose. I el talent natural, no? Podríem dir, el talent natural és algú que destaca en alguna cosa, no? C'est un talent naturel. Que pot ser artística. Ça peut être artistique, coordinative, sportive. Qu'est-ce que le talent sportif? Qu'est-ce que le talent sportif? C'est algú que té un cert talent natural. C'est quelqu'un qui a un certain talent naturel. I que està disposat a acceptar altres càrregues d'entrenament. Et qui est disposé à accepter les autres charges de l'entraînement. Cosa que no sempre passa. Chose qui n'arrive pas toujours. Hi ha moltíssims esportistes amb talent. Hi ha beaucoup d'esportistes avec des talent natural. Naturel. Que no volen entrenar als nivells necessaris. Qui ne veulent pas entraîner au niveau nécessaire. I què és el talent esportiu específic? Et qu'est-ce que le talent sportif spécifique? El talent esportiu específic és el talent esportiu que s'adapta a la nostra especialitat. C'est le talent sportif qui s'adapte à notre spécialité. En nostre cas, el bàsquet. Dans notre cas, le basket. És veritat que el talent, que és una paraula que utilitzem com a una abstracció, c'est vrai que le talent, qui est une parole qu'on utilise comme une abstraction, no deixa de ser una suma de talents, no? Ne cesse pas d'être une somme de talents. No hi ha un talent. Il n'en a pas un seul. Hi ha no tots els jugadors, pas tous les joueurs, disposen de tots els talents. Disposent de tous les talents. Però això no implica, mais cela n'implique pas, que no puguin arribar a ser jugadors d'èlit. Qui ne puissent pas arriver à être des joueurs d'élite. Els jugadors d'èlit. Les joueurs d'élite. Que tenen molts o tots els talents per sobre la mitjana. Qui ont beaucoup ou tous les talents au-dessus de la moyenne. Són les estrelles. Ce sont les stars. Són les estrelles. Això que diré ara és una mica complicat. Ce qu'il va dire est un peu compliqué. Ok. Perquè intentarem donar idees, no? On essaiera de donner des idées. Perquè el món de les idees és el que val. Parce que le monde des idées, c'est lui qui vaut. I cadascú de vosaltres que en faci el que vulgui, no? Et que chacun d'entre vous en fasse ce qu'il veut. L'esport d'alt nivell busca l'excel·lència. L'esport d'alt nivell cherche l'excellence. Com podem aconseguir l'excel·lència en un esport col·lectiu, no? Comment peut-on obtenir dans un sport collectif? Bé, com podem fer que tant talent i junt, comment peut-on faire que autant de talent ensemble generi una sinergia positiva, genera una sinergia positiva, que faci que el resultat final, qui fas que el resultat final sigui molt millor que la suma dels resultats individuals. Soit millor que la suma dels resultats individuals. Freqüentment parlem de creativitat. Freqüentment on parle de creativité. Jugadors creatius. Les joueurs créatifs. Tothom s'omple la boca de que jo, aquest jugador és creatiu. Tothom busca la creativitat en el joc, no? Tout le monde recherche la créativité dans le jeu. Però normalment es considera la creativitat com un fet individual. Mais normalement on la considère la créativité comme un fait individuel. Sembla ser que les persones poden ser creatives, no? Il semble que les personnes peuvent être créatives.
Però jo vull introduir el concepte del joc creatiu, no? Mais ils veulent introduire le concept du jeu créatif. La feina de l'entrenador, perquè al final és el secret de tot això, no? Le travail de l'entraîneur, qui en fin de compte est le secret de tout cela, ha de ser ordenar aquestes creativitats, doit être de coordonner ces créativités, que són diferents, qui sont différentes, de manera que s'ordenin i es coordinin, de façon à ce qu'elles s'ordonnent et se coordinent, establint uns codis de funcionament i de respecte, en établissant des codes de fonctionnement et de respect, que estableixin un ordre col·lectiu, qu'ils établissent un ordre collectif, que afavoreixi la creativitat, qui favorisse la créativité, la creativitat individual, individuelle, sense crear interferències negatives a les creativitats dels altres, sans créer des interférences négatives aux créativités des autres. Això és molt difícil. Ceci est très difficile. Ja, jo fent un curs d'entrenadors d'alt nivell, lui qui a fait un cours d'entraîneur de haut niveau, van fer una pregunta que deia, avait fait une question qui était, què hauríem de fer per entrenar a un grup de jugadors amb talent? Que faut-il faire pour entraîner un groupe de joueurs avec talentueux? I un alumne a l'examen va respondre, et un élève à l'examen avait répondu, posar-los un entrenador amb talent, leur donner un entraîneur avec du talent. D'acord, gran resposta, no? Grande réponse. D'acord. Els entrenadors d'elit normalment no fan això. Les entraîneurs d'élite normalement ne font pas cela. Perquè no s'atreveixen. Parce qu'ils n'osent pas. Hi ha els grans jugadors. Il y a les grands joueurs. Són egoistes. Són egoistes. Són egoistes. Egoistes. Són egoistes. Egoistes, egoistes. Tots volen la seva parcel·la de notorietat, no? Chacun veut sa parcelle de notoriété. I els jugadors estableixen rols. Et ils établissent des rôles. Tu primer rol, tu segon rol, tu cap rol, no? Toi le premier, toi le deuxième, toi aucun. I tu cinc pilotes, tu quatre, tu tres. Toi cinq ballons, toi quatre, toi trois. Això limita moltíssim. Això limita moltíssim les sinergies creatives de l'equip, no? Ceci limite énormément la synergie créative de l'équipe. Jo crec que aquest és el gran desafiament i el que dona sentit a ser entrenador, no? Il pense que ceci est le grand défi et ce qui donne du sens à être entraîneur. Intentar construir un grup, essayer de construir un grup, on cada un dels seus jugadors, on chacun de ses joueurs, trobin el seu espai de creativitat individual, trouve son espace de créativité individuelle, sense perjudicar els altres, sans perjudiquer aux autres. Al final, cada jugador dins del joc té les estratègies. À la fin, chaque joueur dans le jeu a ses stratégies. Les estratègies personals. Personnel. Dins de les estratègies col·lectives. Dans les stratégies collectives. Que ajuden, com poden ajudar en el seu èxit personal. Qui l'aide dans son, qui l'aide personnellement dans sa réussite. Però sempre al servei de l'èxit col·lectiu. Mais toujours au service de la réussite collective. Hi ha gent que li diu el jo al servei del nosaltres, no? Il y a des gens qui disent le au jeu le service de nous. Hem de tornar al jugador, no? On revient au joueur. El jugador és el secret de tot, no? Le joueur est le secret de tout. Nosaltres només els podem organitzar, moure, ordenar, però qui juga són ells, no? Les entraîneurs ne peuvent que les organiser, les faire bouger, les coordonner, mais ceux qui jouent, ce sont eux. Bé,
El procés de creixement d'un grup, le processus de croissance d'un groupe, ha d'anar ha de ser conjunt. O sigui, el jugador i l'entrenador han d'evolucionar al mateix temps. Ça doit être un ensemble. Le joueur et l'entraîneur doivent évoluer en même temps. Els dos han de treballar per aconseguir millores personals. Les deux doivent travailler pour avoir des améliorations personnelles. Que els portaran millores col·lectives. Qui apporteront des améliorations collectives. I tornarem a arribar al punt en què una vegada hem fet aquestes millores col·lectives, el jugador i l'entrenador hauran de coordinar-se per tornar a aconseguir millores personals que els portin a millores col·lectives. No? Pour en revenir au point où une fois réussi cette amélioration collective, le joueur et l'entraîneur, encore une fois, doivent s'améliorer. Per un entrenador, aquestes frases, aquest concepte és claríssim. Entreno el millor que puc. Pour un entraîneur, ce concept est très clair. Il entraîne le mieux qu'il peut. Aprenc per ensenyar més. Il apprend pour enseigner plus. I tracto de transmetre el millor que sé. Et il essaie de transmettre le mieux qu'il sait. Com he dit, atrevim-nos, no? Com il a dit, osons. No tinguem por d'entrar a tope en situacions per les que ens pugui... Mireu, hi ha una frase boníssima que diu... Hi ha una frase très bonne que diu... Si creus que l'aventura és arriesgada... Si tu crois que l'aventure est risquée... Prova amb la rutina. Essaye avec la routine. D'acord? No hi ha res pitjor per qualsevol activitat de la vida, ni del tipus que sigui, ni per la pròpia vida, que la rutina, no? Il n'y a rien de pire pour la n'importe quelle activité de la vie ou pour la vie même que la routine. Et és el nostre principal enemic si volem ser gent creativa. C'est notre principal ennemi si on veut être des gens créatifs. Una altra cosa que dic aquí en aquesta diapositiva, une autre chose qui dit dans cette diapositive, és dir, és atreveix-te, no? C'est osons. Osons. A través de convertir els teus coneixements en experiències. Os convertir tes connaissances en des expériences. Els coneixements, les connaissances, no serveixen per res. No serveixen per res. Serveixen, ells serveixen, per tenir la llibertat de decidir. Pour avoir la liberté de choisir. Si no transformem els coneixements en experiència, si no transformem pas les connaissances en expérience, no som capaços, no els hi estem donant vida. On n'est pas en train de leur donner de la vie. Jo us dic, atreviu-vos a transformar les coses que sabeu en experiències. Il vous dit, osez transformer les choses que vous savez en expérience. Perquè les experiències no es poden transmetre. Parce que les expériences ne peuvent pas se transmettre. S'ha de viure. Il faut les vivre. I l'experiència... Et l'expérience... És la sabidoria. C'est la sagesse. L'experiència no es troba a Google. Elle ne se trouve pas à Google. L'experiència només es pot viure a través d'un mateix. Si on ne peut la vivre qu'à travers de soi-même. No tinguem por. N'ayons pas peur. Per tot això, un entrenador, sigui del nivell que sigui, i és amb el que entrarem ara, perquè jo quan parlo amb entrenadors, parlo d'entrenadors, no de jugadors. Per tot això, un entrenador, quel que sigui el seu nivell, ha de tenir una línia de millora personal. Doit avoir une ligne d'amélioration personnelle. No pots escollir un camí. Tu ne peux pas choisir un chemin. Si no saps on vols anar. Si tu ne sais pas où tu veux aller. Okay. Un altre concepte, si volem anar a l'elit, un altre concepte, si on veut aller à l'élite, és no entrenar mai per la mitjana. C'est ne jamais entraîner pour la moyenne. És un vici que tenim. C'est un vice qu'on a. Tenim un grup de jugadors. On a un grup de joueurs. Hi ha els més fluixos. Hi ha les plus faibles. Els més bons. Les plus forts. I la mitjana. Et la moyenne. I nosaltres treballem per la mitjana. Et nous on travaille pour la moyenne. Incorrecte. Si volem anar a l'elit, hem de treballar pels grans, pels bons, pels millors. Incorrecte. Si on va aller à l'élite, il faut travailler pour les meilleurs.
La mitjana, la moyenne, ha de fer un esforç, va fer un esforç per arribar a l'elit. Per arribar a l'elit. Nosaltres els podem ajudar. No, on per decidir. Però fora, fora i sense perjudicar el treball de la gent que va més adelantada. Mais dehors et sans déranger le travail des gens qui sont plus avancés. Els més fluixets, evidentment, no arriben a l'élite. No? Les plus faibles n'arrivent pas à l'élite. No. Serveixen per entrenar. Ils servent pour entraîner. Cobren poc. Ils n'ont pas trop... On ne leur paye pas beaucoup. No surten als diaris. Ils ne sortent pas aux journaux. Per un entrenador, pour un entraîneur, aconseguir això és fonamental. Réussir cela est fondamental. És, aquesta imatge, cette image, suggereix, suggère, equilibri, équilibre, proporció, proporción. Per mi, aplicada, no? Jo sé clarament que aquesta imatge es pot aplicar a diferents vessants, no? Il sait que cette image peut s'appliquer dans différents aspects. Però per mi, el cercle o el quadrat, mais pour lui, le cercle ou le carré sont el quadre d'acció. Sont le cadre d'action. És dir, i aquest quadre d'acció no ve determinada per les meves capacitats o coneixements. Et ce cadre d'action n'est pas déterminé par ses capacités ou connaissances. Que també. Qui aussi? Sinó per capacitats i coneixements dels jugadors. Mais par les capacités et les connaissances des joueurs. Hi ha d'haver-hi un equilibri absolut entre els meus coneixements i experiències. Il faut qu'il y ait une... Els meus coneixements i experiències. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ses connaissances et expériences de l'entraîneur. Els coneixements i les experiències dels meus jugadors. Et les connaissances et les expériences des joueurs. Per definir el camp de creixement, no? Pour définir le champ de croissance. Un camp d'experiències molt ampli. Un champ d'expériences très large. De treball, un equip professional. De travail, une équipe professionnelle. Un entrenador inexpert. Un entraîneur expert. Inexpert. Inexpert. Okay. Mama! Il est està sobrepassat. Il est surpassé. Okay. Aquest sóc jo. C'est lui. Un entrenador. Un entraîneur. Amb 30 anys d'experiència en el món professional. Avec 30 ans d'expérience dans le monde professionnel. Que treballa en un grup de gent. Qui travaille avec un groupe de gens. De 14 a 18 anys. De 14 à 18 ans. El meu camp d'acció. Son champ d'action. Està molt per sota. Et très en dessous. De les meves possibilitats d'actuació. De ses possibilités. Què he de fer? Que doit-il faire? Cada dia, chaque jour, vosaltres coneixeu els Jivers. Vous connaissez les Jivers. 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 Ils sont ces tribus qui font la tête plus petite. Oui, comment s'appelle? C'est oui. Comment s'appelle? En espagnol, c'est Jivar. Jivaro, je ne sais pas. Je ne connaissais pas. Hein? Mais oui, les filles, c'est ces tribus qui font la tête et les font petite, petite, petite. Non? Jo cada any. Lui, chaque année. M'he de fer una jivarització. Il doit faire ça. Reduir-me. C'est-à-dire réduire. Per aconseguir l'equilibri. Pour réussir l'équilibre. Amb la gent nova que entra al centre de rendiment. Avec les nouveaux gens qui rentrent dans le centre. Perquè es produeixi aquesta situació d'equilibri que ens permeti. Pour que puisse se produire cette situation d'équilibre. Jugador més entrenador. Qui permet d'avancer ensemble, joueur plus entraîneur. Okay.
La scala del Vaticà. Oui. L'escalier du Vatican. Où suis-je? Pourquoi? Le chemin? Évaluation relative. Abans de començar qualsevol treball, hem de fer una anàlisi. Avant de commencer n'importe quel travail, il faut faire une analyse. On sóc? Où suis-je? On sóc jo? Pot ser que ho sàpiga, no? Où je suis, il est possible que je le sache. Mais, però on sóc la gent amb la que he de treballar? Mais où sont les gens avec qui je travaille? Si hi ha gent nova? S'il y a déjà de nouveaux gens? Ho he d'analitzar. Il faut que je l'analyse. Per aconseguir l'equilibri. Pour avoir réussi à l'équilibre. Normalement, els diem a la gent com es fan les coses. On dit aux gens comment il faut faire les choses. Jo crec que és molt millor dir-los el per què es fan les coses. Je crois que c'est beaucoup mieux de dire pourquoi on fait les choses. No. I després, fer-los entendre et après leur faire comprendre que el plaer que le plaisir no està en la meta n'est pas dans le but sinó en el camí. Mais dans le chemin. Per això, pour cela, és fonamental, c'est fondamental que quan treballem amb esportistes d'aquest nivell d'exigència, quand on travaille avec des sportifs de ce niveau d'exigence, avaluem relatiu. On évalue relatif. Què vol dir això? Qu'est-ce que ça veut dire? Quan posaré un exemple. Par exemple, si jo tinc la meva millor tiradora de 3 punts. Si là sa meilleure tireuse, shooter de 3 punts. Que fa 9 de 10. Qui en fait 9 sur 10. Habituellement. I tinc la meva pitjor tiradora de 3. Et puis là la pire shooter de 3. Que fa 2 de 10. Qui en fait 2 de 10. Jo no puc establir. Il ne peut pas établir que el punt de millora que le point d'amélioració sigui 9 ni sigui 10, no? Per a que té 9, ha de ser 10. Per a que té 9, pour celle qui a 9, il faut que ce soit 10. I per a que té 2, et pour celle qui a 2, ha de ser 3. Il faut que ce soit 3. Per tant, quan nosaltres reafirmem amb els nostres jugadors, donc quand ils réaffirment à leurs joueurs, hem de tenir sempre present la relativitat. Il faut toujours avoir présent à la tête la relativité. Perquè si no, crearem frustració constant. Parce que sinon, on va créer une frustration constante. No el que fa, el que en pot fica dues. Celui qui peut en mettre deux. Mai en ficarà deu. No en mettra jamais 10. Llavors, sempre estarà frustrat. Alors, il sera toujours frustré. La frustració no és el millor amic de la motivació. Ce n'est pas le meilleur ami de la motivation. I la motivació és la gasolina amb la que hem de jugar els entrenadors. Et la motivation est l'essence avec laquelle il faut que les entraîneurs jouent. Oh là là. Oh là là. Quan nosaltres comencem el curs d'entrenadors professionals, quand ils commencent les cours d'entraîneur professionnel, fem una autoavaluació amb un diagrama radial. Ils font une auto-évaluation avec un diagramme radial. En el que els plantegem, dans lequel ils se posent la question. 54 preguntes. Ils se posent 54 questions. I els diem. Et ils disent. Com us veieu vosaltres mateixos, no? Il leur demande comment ils se voient eux-mêmes. La gent té un nivell d'autoestima altíssim. Les gens ont un niveau d'autoestime très haut. Quan acabem el curs, quand ils finissent le cours, tornem a presentar el mateix diagrama. Il représente encore une fois le même diagramme. I l'autoavaluació ha baixat a més de la meitat. Et l'auto-évaluation a baissé de plus de la moitié. Perquè un entrenador professional, parce que l'entraîneur professionnel, que és de lo que estem parlant, ha de ser competent. Doit être compétent. Ha de ser competent en moltíssimes coses. A fer beaucoup de choses. Moltíssimes coses. I llavors nosaltres, per expressar això, et eux, pour dire cela, fem servir el cub de Kubrick.
ils vont servir le cube de rubrique. Un Rubik's Cube. Six cares. Six faces. Et nou quadrats per cara, no? Et 9 carrés par face. Tinc aquí, no miraré. Tinc aquí la quantitat de combinacions que dona això. Il a ici la quantité de combinaisons que cela donne. Billions. Des billions. Non millions, billions. Pas millions, billions. Per tant, ens podem trobar amb bilions d'entrenadors diferents. Donc on peut se retrouver avec des billions d'entraîneurs différents. En funció de la seva competència. De leur compétence. Moltes vegades això no ho tenim present, no? Beaucoup de fois on n'a pas cela en tête. Les cares diuen això. Les faces disent cela. Competència en comunicació. Compétence en communication. Que poca importància li donem a la comunicació, no? On lui donne trop peu d'importance. En general. En general. Sempre hi ha qui sí, però en general que poca importància li dona un entrenador a la comunicació, no? Dominar el llenguatge del bàsquet, cosa que la Marta no domina. Dominar el llenguatge del bàsquet, que moi je ne domine pas. Okay. Important. Adaptar el missatge a les capacitats dels jugadors. Très important, adapter le message aux capacités des joueurs. Això per mi és un problema. Ceci est un problème aussi. Perquè les meves referències de la seva edat... Parce que, par rapport à leur âge... Ja no em valen. Ils ne sont plus utiles. Perquè els dibuixos animats que jo veia... Parce que les dessins qu'ils voyaient à la télé... No són els mateixos que veuen elles. C'est pas les mêmes que la réalité. Les coses, els músics que jo escoltava... Les musiciens qui l'écoutaient. No són els mateixos. C'est pas les mêmes. Però jo he de fer un esforç per conèixer els dibuixos animats que miren elles i els músics que escolten elles. Mais i llegir el que llegeixen elles. Mais c'est à faire un effort pour connaître ce qu'elles disent, la musique qu'ils écoutent, les programmes qu'ils font à la télé. Sempre és l'entrenador qui ha de fer l'esforç. C'est toujours l'entraîneur qui va faire l'effort. No hem de demanar mai amb elles que ens comprenguin a nosaltres. Il ne faut jamais leur demander à elles de nous comprendre à nous. Okay. Sinó que hem de fer l'esforç nosaltres d'entendre-les amb elles. No? Mais sinon qu'on va faire l'effort de les comprendre à elles. Ser capaç de transmetre els coneixements en diverses llengües, no? Être capable de transmettre les connaissances en plusieurs langues. Nosaltres en dominem dues d'entrada, no? Avec català i castellà, no? Català i castellà. Però també parlem el francès. Et aussi français. Perquè hem nascut al costat de la frontera. I parlo aussi français. I obligatòriament ens haurem d'anar a parlar l'anglès, no? Et aussi l'anglais. I també tenim els italians, perquè és una llengua llatina. I comprendre l'italien, parce que c'est une langue latine. Però això és fonamental per treballar a l'élite, si no és impossible. Et c'est fondamental pour travailler avec l'élite. Desenvolupar les habilitats d'escolta i empatia. Desenvolupar les habilitats d'escolta i d'empatia. La intel·ligència intrapersonal, intrapersonal. L'intel·ligència intrapersonal. No, la capacitat de comunicar, d'entendre els altres. No? Capacitat de comunicar i comprendre. I d'escoltar. I escoltar. No, jo aquí no ho he fet. Lui ne l'ha pas fait ici. Però sempre que començo una xerrada, mais toujours qu'il commence une conférence. Dic, per estar convençut de lo que jo diré, il dit que pour être convaincu de ce qu'il dira, no tinc la necessitat de demostrar-li a ningú que està equivocat. Il n'a pas le besoin de démontrer à personne qu'il se trompe. A partir d'això, à partir de ceci, podem discrepar. On peut s'opposer. Des discrépances, ce n'est pas de s'opposer. Il peut y avoir des discrépances, qui n'est pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas de discussion. Discrépance et discussion. En catalan, je ne suis pas d'accord.
podem discrepar, però de la discrepància, les promesses au crescement, non? Mais du fait de, on peut ne pas être d'accord, mais du fait de ne pas être d'accord, se produit la croissance. S'ha evidentment utilitzar les noves tecnologies per obtenir la informació. Això avui dia ja sembla ridícul. Savoir évidemment utiliser les nouvelles technologies pour obtenir la formation. Però hi ha molta gent d'una certa edat que està treballant. Il y a beaucoup de gens d'un certain âge et qui travaillent. Que no dominen aquestes tecnologies. Ne le dominent pas du tout. Evidentment, ser capaç de mantenir el control emocional. Évidemment, être capable de maintenir le contrôle émotionnel. Un altre concepte, aquesta seria una cara, la cara de la comunicació. Una altra cara... Ça, c'est une face, la face de la communication. Une autre face serait... Seria la competència en aprendre d'aprendre. La compétence de savoir apprendre d'apprendre. Aprendre a aprendre. Apprendre a apprendre. Ok. Aprendre a treballar en equip. Apprendre à travailler en équipe. Això és absolutament fonamental en un esport d'èlit. Absolument fonamental dans un sport d'élite. Es controlen tants paràmetres, tantes situacions que és impossible que una sola persona ho pugui portar. Il y a tellement de paramètres et de situations qu'il est impossible qu'une seule personne puisse supporter cela. Treballar l'aprenentatge autònom. Travailler l'apprentissage autonome. Molt important. Très important. Atrevir-se a generar propostes que millorin el joc. Oser generar des propositions qui amélioreront le jeu. Competència pedagògica. Competence pour la logique. Al final, són paradoxes. Au fin, c'est des paradoxes. Els entrenadors són paradoxes. Les entraîneurs sont paradoxaux. Són paradoxes, són algú que ensenya, no? C'est quelqu'un qui enseigne. Per tant, hem de saber programar. Donc il faut savoir programmer. De base informàtica, de conèixer els mètodes d'ensenyament, hem de conèixer programació... Il faut connaître les méthodes d'enseignement, de programmation. Hem de tenir la facultat per construir un equip. Avoir la faculté de construire une équipe. I al mateix temps un jugador. Y en même temps un joueur. Construir processos d'ensenyament eficients. Construir des processus d'enseignement eficients. No pas eficaços. Pas eficaces. Eficients. Eficients. Dominar les estratègies conductuals. Dominar les estratègies conductuelles. Recordem que treballem amb egos absolutament pujats. Il faut se souvenir qu'on travaille avec des egos très élevés. I ser capaç de remenar diferents mètodes d'ensenyament. Ahir vam parlar que dins d'un mateix exercici... I être capable d'utilitzar diferents mètodes d'ensenyament. Dins d'un mateix exercici podem utilitzar dues metodologies. On peut utilitzar des metodologies diferents. Ara les hem de dominar totes. Donc il faut toutes les dominer. Les altres cares... Les autres faces. Importantíssima per un entrenador professional. Très important pour un entraîneur d'élite. Competència directiva i gestora. Compétence de gestion. Directive. Directive de gestion. I gestora. Compétence directive et de gestion. Okay. Un entrenador. Un entraîneur. Dirigeix un equip. Dirige une équipe. Però abans que això. Mais avant cela. Dirigeix un grup. Il dirige un groupe. Un grup de persones. Un groupe de personnes. Ara dirigeix els petits. Les petits. No. A part de dirigir el grup. A part de dirigir el grup. Ha de dirigir l'equip en els partits. Il faut que dirigi l'equip dans les matchs. La majoria d'entrenadors. La plupart d'entrenadors. Entenen la competència de direcció. Comprenen la competència de direcció. Com direcció de partit. Com direcció de match. I aquesta és la part més petita de la competència de direcció. Alors que c'est la part la plus petite de la compétence de direction. Perquè hem de transformar perquè hi fos transformar un grup en un equip i hem de
tenir característiques de lideratge. Il faut avoir des caractéristiques de leadership. Hem de ser coherents. Être cohérent. La coherència és fonamental. C'est fonamental. Per mi és l'element fonamental. C'est pour lui l'élément fondamental. Dins de les competències de direcció. Avec les compétences de direction. Nosaltres diem... It is... La teoria de l'ou ferrat. La théorie de l'œuf au plat. Dins de l'ou ferrat té la llema i la clara. Dans un œuf au plat, il y a le jaune d'œuf et la partie blanche. Dins de la gemma hi ha coses que nosaltres no negociem. Dans le jaune d'œuf, il y a des choses que les entraîneurs ne négocient pas. No, nosaltres, les entraîneurs no sé pas. Qui ne négocie pas? El meu equip de treball. L'équipe de travail. El meu equip de treball és l'autoexigència. C'est l'autoexigence. L'esforç. L'effort. Que no és pas el mateix. I el respecte. Et le respect. Aquests tres elements... Ces trois éléments... No són negociables. Ne sont pas négociables. 100%. Oh, no. No, no hi ha negociacions. Tota la resta de coses, que són la clara... Tout le reste, toutes les autres choses qui sont le blanc d'œuf... Són negociables. Sont négociables. Competència social i amb valors, no? Competència social i avec des valeurs. El primer de tot és entendre la responsabilitat de ser entrenador. En primer lieu, comprendre la responsabilité d'être entraîneur. Evidentment, respectar àrbitres i normes de joc. Évidemment, respecter l'arbitre et les règles du jeu. Inculcar valors. Donner des valeurs. Donner des valeurs. Ser exemple d'ells. En étant un exemple. I intentar formar persones i essayer de former des personnes en lloc de, a més de jugadors. En plus de former des joueurs. Bé. A partir d'aquí... A partir d'ici... Si un entrenador fos capaç de dominar, perquè després hi ha una altra cara, que és tota la cara de la que li en parlo. Parce qu'il y a d'autres faces dont tu ne parles pas. Que és elements tècnics, elements tàctics... Elements tècnics, tàctics... De reglament... Connaissance du jeu... De tot això no cal parlar-ne massa. Cela, il n'en parle pas, il ne faut pas en trop parler. Perquè el propi entrenador està obsessionat en aconseguir millorar aquests coneixements. Parce que l'entraîneur est obsessionné a millorer ses connaissances. Per tant, un entrenador professional capaç de gestionar un grup, d'enfrontar-se a una junta directiva. Donc un entraîneur professionnel capable de diriger le groupe et de affronter la direcció. La junta directiva, l'estaf directiu del club. Sí, sí. La premsa, els diaris. La premsa. Tot l'entorn, doncs... Tot l'entourage. Ha de ser una persona... Faut que ce soit une personne... Tan formada com pugui. Aussi formée que possible. I aquest és un procés... Et c'est un processus... Que molts entrenadors no fan. Que beaucoup d'entraîneurs ne font pas. Es queden simplement... Ils restent simplement... En el coneixement del joc... Dans la connaissance du jeu... En el coneixement dels elements tècnics... Et des éléments tècnics. I a la direcció del partit. Et la direction du match. Perquè no sé si hi ha... No hi han fet preguntes o entrar més personalment en coses que interessin. Si vous avez des questions, vous voulez rentrer plus personnellement dans des choses qui vous intéressent. C'est le moment. La vérité. Si. Vous avez connu beaucoup de joueurs, joueuses. Est-ce que vous avez parlé des spécificités du haut niveau, au niveau du leadership? Est-ce que par poste de jeu, poste intérieur, extérieur, ce sont les mêmes valeurs qui ressortent? Sí. Son les mêmes valeurs qui surgissent toujours quand entraîne à
En vostè que ha entrenat molts jugadors i jugadores diferents? Bueno, la traducció no sé pas molt. Oui, c'est par rapport au poste de jeu. Est-ce que un meneur a les mêmes caractéristiques par rapport à un extérieur ou à un intérieur? Est-ce que vous avez vu des différences, des choses qui vous ont remarqué par poste de jeu sur le terrain? Est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques? Quand nosaltres portem un joc, plantegem el camí cap a l'élite. Quand il se pose la question du chemin vers l'élite. No volem especialitzar. Ils ne veulent pas se spécialiser. Però aquest concepte s'ha d'aclarir. Mais ce concept, il faut le rendre clair. Generalment, la gent entén per especialitzar. En général, les gens comprennent par spécialisation. Posar els jugadors molt alts. Mettre les joueurs très élevés. A prop de la cistella. Près du panier. Però mai entenen. Mais ils ne comprennent jamais. Que especialitzar també és posar els jugadors petits lluny de la cistella. Que la spécialisation est aussi mettre les joueurs petits loin du panier. No especialitzar. Pas spécialiser. No posar ningú en lloc. C'est ne les mettre nulle part. Nosaltres ho tenim clar. Ils ont très clair cela. Per això dins de la piràmide que vam parlar ahir. C'est pour cela que dans la pyramide dont on a parlé hier. Comencem. El primer 2x2 sempre és dintre fora. Le premier 2 contre 2 est toujours dedans, dehors. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Oh, ho fa gaire gent, això? Est-ce que beaucoup de gens le font? No. No. Normalment, comencen 2 per fora. Il commence 2 à l'extérieur. Però jo vull que a mi m'és igual començar per un 2x2 o per un altre 2x2. Mais ça lui est égal commencer par un 2x2 ou un autre 2x2. Llavors faig servir aquest. Il utilise un. Perquè vull ser coherent. Parce qu'il va être cohérent. I no vull especialitzar. Et il ne veut pas spécialiser. El següent pas. La suivante étape. És construir triangles. C'est construire des triangles. A partir del vèrtex interior. De l'intérieur extérieur. No, del vèrtex. Du forte. No. Vèrtex. El triangle i la trois vèrtex. Trois côtés. Trois vèrtex. Des angles. Les ponts. Les angles. Sommet. Les sommets. Un triangle et après sommet. Ok. À travers les trois sommets. Els triangles són un concepte fonamental dins del joc del bàsquet. Les triangles sont un concepte fondamental dans le jeu. Igual que els angles, igual que... Tu com les angles. A partir d'aquí, quan ells han acabat aquest cicle general de 2 anys de no especialització... Quan ils ont fini ce cycle général de 2 ans de no especialització... Continuen fent treball general... Ils continuent à faire du travail général... Però... Mais... Ells tenen unes hores de treball d'especialització en funció de la possible projecció futura. Mais ils ont des heures de travail de spécialisation en fonction de la possible projection future. Està clar? Il est clair? Que els jugadors grans... Que les grands joueurs... Les grands joueurs no. Ah, les joueurs hauts. De grande taille. Ok. Necessiten més carinyo. Ont besoin de plus de tendresse. Més paciència. Et de patience. Més, perquè la seva evolució... Parce que leur évolution... És molt lenta. Et très lente. I normalment... Et normalement... En edats petites... Dans les petits âges... Han estat molt castigats... Ils ont été très punis. Perquè no aporten rendiment. Parce qu'ils n'apportent pas de rendement. Llavors, els hem de cuidar especialment. Alors il faut en prendre spécialement soin. Perquè no abandonin la pràctica esportiva. Pour qu'ils n'abandonnent pas la pratique sportive. Per lo demés, pour le reste, tots són jugadors. Tous sont des joueurs.
Qui no arriba a l'hora a l'entrenament, qui n'arrive pas à l'heure à l'entraînement, n'entraîne. N'entraîne pas. Qui est le pitjor que els pot passar. C'est la pire chose qui peut leur arriver. Qui no respecta a un compañero, qui ne respecte pas un compagnon, el conserge, ou le concierge, camarer, le garçon de table, rep un castig. Il reçoit une punition. El respecte és un avantatge. Jo moltes vegades, jo sóc un entrenador que m'esforço molt en controlar les emocions. C'est un entraîneur qui fait beaucoup d'efforts pour contrôler ses émotions. Si algun dia no les controlo, si un jour il ne les contrôle pas, i sobrepasso el límit, et je dépasse la limite, amb els jugadors, avec les joueurs, encara que estigui anant cap a casa, même si je suis en train de rentrer à la maison, torno ràpidament, je reviens rapidement, reuneixo l'equip, i reunis l'équipe, i demano perdó. I demano perdó. És important. La gent es pot equivocar. Les gens peuvent se tromper. Però automàticament s'ha de reaccionar donant exemple. En donant l'exemple. Per aconseguir que joves arribin a l'elit, pour réussir à ce que les joueurs arrivent à l'élite, és molt important, c'est très important, preocupar-se, se preocuper, de coses que no siguin el bàsquet, de choses qui ne concernent pas le basket. Nosaltres, al centre del rendiment, eux, le centre de rendement, diem el bàsquet és, ils disent le basket est, la cosa menys important, la chose la moins importante, de les coses importants que farem avui, des choses importantes que on va faire aujourd'hui. D'acord? Perquè no cal sobrepassar les línies de pressió. D'això ja se'n cuiden les famílies. Perquè no faut pas surpasser les lignes de pression. De cela, les familles s'en chargent. Gràcies. La qüestió és si s'equilibra de cap de xos de la seva. Està a la moda. Està. És a la moda. Posar jugadors que jubilen. Mettre des joueurs qui se prennent la retraite et qui sont connus. Com a entrenadors. No? En tant que et le mettre un entraîneur. Bé. No dominen una part molt petita del joc. Ils connaissent, mais ne dominent pas une partie très petite du jeu. Quan ells fan el curs per ser entrenador professional, quand ils font le cours pour être entraîneur professionnel, se'n donen compte d'això. Ils s'en rendent compte. Però ells accepten el càrrec. Mais ils acceptent quand même la charge. A pesar de ser incompetents. Ils ne sont plus compétents. A pesar. Même s'ils ne sont pas compétents. No. Encara. Même s'ils sont incompétents. Ils sont incompétents. Accepto, no, 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 no problema. Llavors, per mi, un entrenador que no hagi passat per tot el procés, pour lui, un entraîneur qui n'a pas passé par tout le processus, no pot ser un bon entrenador. Ne peut pas être un bon entraîneur. Perquè per mi, una de les coses que he posat aquí en una diapositiva, parce que pour lui, c'est une des choses qu'il a mis dans une diapositive, és la búsqueda de l'excel·lència. C'est la recherche de l'excellence. Peut-être, mais pot ser
al cap de molts anys. Il peut l'être au bout de nombreuses années. Perquè la sabiduria... Parce que la sagesse... te la dona l'experiència. La dona, c'est l'experience qui la dona. I està clar que hi ha entrenadors que són bons entrenadors, però això és com tota la vida. Il y a clair qu'il y a de bons entraîneurs. Hi ha, a la vida hi ha professionals dolents. Mais c'est comme dans la vie, il y a des professionnels mauvais. Professionals normals. Des normaux. Professionals bons. Des bons. I excel·lents. Et des excellents. Els professionals excel·lents tenen que ser competents. Les excellents doivent être compétents. Perquè estan buscant l'excel·lència. I no pots buscar l'excel·lència sense treure el màxim rendiment del material que disposes. Et tu ne peux pas rechercher l'excellence sans chercher le maximum rendement du matériel dont tu disposes. I per això necessites saber, veure-ho i, a més, veure-ho viscut. Et pour cela, tu as besoin de savoir et en plus de l'avoir vécu. Als Estats Units, aux États-Unis, uns dels professionals més buscats, un des professionnels les plus recherchés, són els que han fracassat. Ce sont ceux qui ont échoué. Perquè han viscut l'experiència. Parce qu'ils ont vécu l'expérience. I saben que per l'error hi tornaran a passar. Et ils ne vont pas recommettre la même erreur. No es pot millorar, on ne peut pas améliorer. No es pot experimentar, expérimenter. No es pot créixer, ou grandir. Sense incorporar l'error a la teva vida. Sans avoir commis et incorporé une erreur dans ta vie. L'error és la base fonamental de l'aprenentatge. L'erreur est la base fondamentale de l'apprentissage. Els problemes dels entrenadors professionals, les problèmes des équipes professionnelles, és que no es poden equivocar. Et qu'elles ne peuvent pas commettre d'erreur. Perquè si s'equivoquen, parce que si elles se trompent, deixen de ser entrenadors professionals. Elles ne sont plus des équipes professionnelles. O són entrenadors professionals, ou ce sont des entraîneurs professionnels, sense equip per entrenar. Sans équipe pour entraîner. Jo vull dir, la meva millor experiència, sa meilleure expérience, quan jo vaig decidir, no se sap per què, perquè a la vida... Quand il a fait décider, il ne sait pas pourquoi. A la vida no se sap mai per què, no? La gent que pensa que la vida es controla. Les gens qui pensent que la vie se contrôle. Des del meu punt de vista està equivocada. De son point de vue, se trompe. La vida surt. La vie surgit. Sí. No sé per què, un dia vaig dir, quan vaig tornar al meu poble de muntanya... Il ne sait pas pourquoi, un jour, il s'est dit, quand il revenait dans son village de la muntanya. Després de viure al món durant 10 anys, après d'avoir vécu le monde pendant 10 ans, per socialitzar em vaig apuntar, em vaig incorporar a un grup, no? Pour se socialiser, il s'est incorporé à un groupe. Que feia el bàsquet? Qui faisait du basket. No en sabia, de bàsquet. Il n'en savait rien du basket. Jo no he jugat mai a bàsquet. Il n'y avait jamais joué. Jo era corredor de motos. Lui, il était coureur de moto. Aquest és el meu esport. C'était son sport. Però vaig tenir una gran sort. Mais il avait beaucoup de chance. Perquè hi havia un grup de nenes... Parce qu'il y avait un groupe de filles... que no volia ningú. Que personne ne voulait. No sabien fer res. Elles ne savaient rien faire. Les seves capacitats d'aprenentatge eren molt limitades. Leur capacité d'apprentissage était très limitée. Les van reunir. On les a reunis. I me les van adjudicar. Et on les leur a donné. Jo vaig començar a entrenar amb un grup de nenes estranyes. Ell havia començat a entrenar amb un grup de filles bizarres. Una esperava abans d'arribar al mig camp. Una s'arrêtait abans d'arribar a la moitié du terrain. Sense cap motiu aparent. Sans motif aparent. L'altra... Però la gran sort és que jo em podia equivocar tot el que volia. Mais la chance c'est qu'il pouvait se tromper autant qu'il voulait. Perquè elles eren felices amb mi. Parce qu'elles étaient heureuses avec lui. Perquè jo els hi feia cas. Elles étaient heureuses parce que lui, il leur prêtait attention. Era l'única persona de tot el club... C'était la seule personne de tout le club... que els hi feia cas. Qui leur faisait attention. I va ser l'inici perfecte. Et ce fut le début parfait.
un entorn en què pots equivocar tot el que vulguis. Un entourage dans lequel tu peux te tromper autant de fois que tu veux. I no fas mal a ningú. Et tu ne fais de mal à personne. Jo sempre dic ideal. Després descobreixes si t'agrada o no t'agrada. Après tu découvres si tu aimes ou pas. Jo ràpidament vaig descobrir que treballar amb persones m'agradava. Que treballar avec des personnes l'aimait ça. I després vas començar un procés d'adquisició de coneixements. Et après il a commencé un processus d'acquisition de connaissances. D'acquisició d'experiència. D'expérience. Jo vivia en un poble petit. Il vivait dans un petit village. No teníem contacte amb grans tècnics, tot era molt auto aprenentatge. J'avais pas de contact avec de grands techniciens, c'était tout l'auto-apprentissage. I això és molt important. Et c'est très important. Perquè al final, parce qu'à la fin, tu has de lluitar sempre amb les teves idees. Tu vas toujours lutter avec tes idées. I les teves idees només són teves. Et tes idées ne sont n'appartiennent que à toi. Si les has generat tu. N'appartiennent qu'à toi que si c'est toi qui les as créées. I després d'uns anys, i après quelques années, aquell, un equip d'aquell poble, un equip de ce village, va guanyar el campionat d'Espanya, va guanyar el campionat d'Espanya. I hi havia un famós polític, hi havia un politicien conegut, i diu, oh, aquell senyor que porta aquest grup qui, fa coses diferents. Qui s'était dit, tiens, ce monsieur qui dirige ce groupe fait des choses différentes. Em crida. Il l'appelle. I em fan una oferta. Et lui font une offre. I jo dic, jo treballo, soc programador d'ordinadors perquè la meva educació és matemàtica. Il a répondu que lui travaillait, qu'il était programmateur d'ordinateur parce qu'à la base il était informaticien. Qui? Mateix sou, mateix sou. Contracte fixe. Et il a fait un contrat fixe avec le même salaire. Ok. À partir fa 32 ans, vaig passar a ser entrenador professional, sense voler-ho. Et sans le vouloir, il y a 32 ans, il est passé à être un joueur professionnel. Però era un desastre. Mais c'était un désastre. Des de la perspectiva d'ara. Depuis sa perspective actuelle. Mireu, Confuci. Il était confus. Confuci. Confuci. Confusion. C'était la confusion. Confusion. Si. Confucius. Confucius, c'est un philosophe chinois. Ah, c'est un philosophe chinois. Le philosophe chinois, antique. Non? Confucius. Non? Dit. Le Confucius dit. Defensar que saps el que saps. Defendre que tu sais ce que tu sais. I acceptar que no saps el que no saps. I acceptar que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. És el fonament de la sabidoria. C'est la base de la sagesse. Ok. Quan jo començava, quand il commençait, no era conscient que no sabia el que no sabia. Il n'était pas conscient qu'il ne savait pas ce qu'il ne savait pas. Per tant, no era molt savi. Donc il n'était pas très sage. Però això ho donen els anys i la perspectiva de treball, no? La sagesse arriba avec les ans et la perspective de treball. Molt això. Et toi? No. Je ne veux pas intimider rien, no? C'est une question ici. En France, l'accès au niveau se fait par l'INSEP, vous en avez parlé à Paris, comme en Catalogne Sud, avec un centre de formation fédérale. Mais il y a aussi des clubs de haut niveau qui forment l'élite. Est-ce que en Catalogne Sud, cette formation est aussi bonne que le centre de formation en Catalogne fédérale? A Catalunya, el centre de formació és tan bo com el que hi ha a França. I és que els grups de Catalunya Sud tenen el mateix desenvolupament que el centre de formació de la Catalunya Sud. França
et Catalogne est différent. La France et la Catalogne sont différentes. Différent à niveau culturel. C'est différent au niveau culturel. Et la culture affecte tout. Et la culture affecte tout. Le sport est culture. Le sport c'est de la culture. Vous autres vivez aux clubs comme un entourage absolument différent. Comme un entourage absolument différent. Généralement en France il y a de la vie autour du club. Généralement en France il y a de la vie autour du club. En Espagne non. En Espagne non. En Catalogne tampoc. Ni en Catalogne au sud. Els costums de dinar... Les habitudes de repas. En Espanya no hi és un club, és una societat... En Espanya ja n'existe pas. Le club, c'est une société. Amb molt poca implicació dels pares. Avec très peu d'implication parentale. Tout en ma casa. Il était l'an dernier à Ripoll avec des petits-enfants et à la fin du d'entraînement, chacun chez soi. La culture est bien. A més, à l'alt niveau... En plus, à l'alt niveau... França té un fet diferencial amb Espanya... La France se différencie de l'Espagne. Que és els jugadors de color. Avec les joueurs de couleur. Que, evidentment, marquen un dels apartats fonamentals dins el terreny esportiu, no? Qui, évidemment, marque un des apartats fonamentals dans le cadre sportif. Que és la qualitat muscular. Qui est la qualité musculaire. I l'estructura topomètrica, no? Et la structure topométrique. Això fa... Ceci fait. Que la qualitat física dels equips francesos... Que la qualité physique des équipes françaises... sigui molt superior a la dels equips espanyols. Entre superior a ser les equips espanyols. Estic parlant de seleccions cadets, seleccions júniors... Et parle de selecció cadet, junior. Però juguen pitjor. Més pitjor, moins bien. Si no, els espanyols els guanyarien. Si no, els espanyols els guanyarien. I són un dels rivals més forts que hi ha. Et ce sont nos rivaux les plus forts qu'on a. Però habitualment, en els últims anys... Mais ces dernières années... Guanya Espanya. C'est Espanya qui gagne. Però això... Mais ceci... No, jo dic... Com és possible amb aquests cossos... Il se dit, comment c'est possible avec ces corps-là? Sí, els cossos. Eh? Ces corps d'athlètes. No ens passen per sobre, no? Com és possible que no nos surpassa? Segurament és el procés... C'est sûrement el processus... Educatiu. Educatif. Esportiu. Esportiu. Jo no sé si aquestes nenes... No sé pas si ces filles-là... De color, no ho sé. De color. Tenen una educació de base... Ont une éducation de base. Correcta o no. Correcte o pas. Nosaltres ara a Espanya... Eux en Espanya. Estan arribant gent de Senegal. Il y a beaucoup de gens de Senegal qui arrivent. No, beaucoup no. Estan arribant. Les gens de Senegal sont en train d'arriver. Són arribant, no? No beaucoup, són arribant. Senegal... Altres, no? Au Senegal, ils sont très grands. Problema. Le problème? Cultura. C'est la culture. Llavors, és difícil en un procés complex... C'est difficile dans un processus complex. De formació integral... De formation intégrale. Per arribar al màxim, arribar a la màxima capacitat... Pour arriver à la capacité maximum. Si no hi ha una base cultural correcta darrere. Si n'hi ha pas una base cultural correcta darrere. Jo el desconec, si a la França, les jugadores... A l'Espanya, segur. En Espanya, c'est sûr. Totes les jugadores de color que estan entrenades en les categories de formació... Totes les jugadores de color que són entrenades là-bas... Tenen greus problemes... Ont de graves problèmes... D'integració en el programa educatiu. D'integració en el programa educatiu. De fet, nosaltres, al centre... D'ailleurs, eux, dans le centre...
Aquest any entrem una per primera vegada. Cette année, cette année, ils en font rentrer une pour la première fois. I estem tremolant. Et ils tremblent. Perquè té nacionalitat. Parce qu'elle a la nationalité. Però escriu com un nen de 3 anys. Elle écrit comme un enfant de 3 ans. I ara hem preparat un programa especial. Il a déjà préparé un programme spécial. Per acollir-la. Pour l'accueillir. I intentar essayer. Portar-la allà. És com una experiència. C'est comme une expérience. Per veure si en un futur. Pour voir si dans un futur. Nosaltres tenim l'opció d'incorporar-les en el nostre programa. Ils auront l'opció de l'incorporer dans leur programme. Llavors, a la França, jo crec que gasten més diners que a Espanya. Ils croient qu'ils dépensent plus d'argent qu'en Espagne. En programes formatius. En programme de formation. Crec que tenen una estructura de centres amplíssima. Ils croient qu'ils ont une très grande structure de centre. I que després de tot això van a parar els millors a INSEP, no? I que després cela les millors vont a INSEP. Habitualment, habitualment, jo jugava contra equips francesos. Il a joué contre des équipes françaises. De club. De club. I el nivell de formació, Et le niveau de formation. I normalment el nivell per nosaltres el trobem baix. Normalement, à ce niveau, il le trouve bas. Aquesta és la realitat. Jo he jugat durant anys. Il a joué pendant beaucoup d'années. Tornejos. De tournois. Per Nantes. Per moltes poblacions. El típic del torneig, el menjar, el suaret. No? I els únics rivals que hi havia eren equips que ens portaven Il a joué beaucoup de tournois et les seuls rivaux qu'il y avait, ce sont les équipes qui venaient de la République tchèque ou autre. C'est la réalité qu'il a vécue. Però ara, al final, s'ha aconseguit una selecció absolument important. Mais maintenant, à la fin, une sélection très importante a été enregistrée. Perquè crec que ara teniu un bon entrenador. Il croit que maintenant vous avez un bon entrenador. Un bon entraîneur. Abans no. Avant non. Ara crec que l'entrenador actual de la selecció francesa. Maintenant, il croit que l'entraîneur actuel de la sélection française. És un bon entrenador. Est un bon entraîneur. I això és fonamental. Ce qui est fonamental. Direm, per què la selecció sènior masculina francesa no competeix prou bé? Pourquoi la selecció masculine sènior française ne competit pas assez bien? Poc junts. La creativitat individual no està al servei n'est pas au service de la créativité collective. De la créativité collective. El rendiment del grup. Le rendement du groupe. Està molt per sota. Très au-dessous. Del possible rendiment. Du possible rendement. Si es creessin sinergies de grup. No? Si des sinergies de groupe se creen. Jo crec que, a més, il croit qu'en plus, que durant uns anys années, les seleccions franceses sobreentrenaven. Que és un dels greus problemes en els que podem caure. No? C'est un des graves problèmes dans lesquels on peut tomber. O sigui, es tenien mesos i mesos circulant. Les avaient des mois et des mois en train de circuler. Jugant. Jouant, en train de jugar. I jo crec que arribaven al sobreentrenament. Et ça arrivait au surentraînement. Perquè hi ha dos tipus de sobreentrenament, el físic i el mental. Parce qu'il y a deux types de surentraînement, le physique et le mental. Recuperar un sobreentraînement físic. Recuperar un surentraînement physique. És relativament fàcil. C'est relativement facile.
recuperar un sobreentrenament mental requereix un llarg període de temps. I jo crec que durant molt de temps, per l'ambició d'intentar guanyar, per justificar l'alt nivell d'inversió que s'hi aplicava, es passaven de llarg. Ils allaient trop loin. Et qui vient de tête est française. Oui. Hein? Donc c'est pour ça pourquoi ça ne marchait pas au basket, alors que ça marchait au foot. Le fait de mélanger des origines, peut-être avec vous. Tamana, en fait, vous demandez si le problème c'est l'origine culturelle en France. Voilà, c'est ce qu'il disait, c'était qu'en basket français, le problème c'était peut-être le fait qu'on ait des joueurs d'origine culturelle différente. Perquè vostè deia que el problema seria que els jugadors siguin d'origen. Jo no conec en profunditat, per tant no m'agrada molt opinar de coses que no conec en profunditat. No conec pas très bien ça, donc il n'y a pas trop de situació. Però la construcció d'un equip... La construcció d'un equip. És realment complicat. És realment complicat. I jo crec que les seleccions no acaben de trobar el concepte d'equip, no? No finissent pas de trobar el concepte d'equip. Jo crec que no hi ha la cohesió. Il n'y a pas la cohesió. La diferència entre un grup i un equip... La diferència entre un grup i un equip... És la cohesió. C'est la cohesió. La cohesió no vol dir la capacitat de divertir-se junts. La cohesió no vol dir la capacitat de s'amuser ensemble. Perquè hi hagi cohesió hi han d'haver-hi molts elements en comú que facin que la definició de l'objectiu sigui única. Jo crec que ells volen guanyar. Però crec que ha de ser molt complicat aconseguir la cohesió necessària per superar els moments difícils. Pour affronter les moments difficiles. Llavors, és dir, està bé tècnicament. C'est très bien tècnicament. Quin problema hi ha? La tècnica és un gest. La tècnica és qu'un gest, n'hi ha pas de problème. A mi els gestos no m'interessa. I no s'interessa pas aux gestes. Són necessaris. Ils sont nécessaires. Però no m'interessa. Mais ils m'interessent pas. A mi m'interessa transformar aquest gest en una habilitat. Lui, il veut transformer ce geste en une habilité. Automatiquement. Automatiquement. Entre en jeu les capacités cognitives. Entre en jeu les capacités cognitives. Automatiquement, une fois que ça a été traduit, ça a été transformé en habilité. Et automatiquement, une fois transformé cela en habilité. Hem de començar a tancar rutines de funcionament. Il faut commencer à fermer des routines de fonctionnement. Què vol dir? Començar a tancar programes motors més complexos. Qu'est-ce que ça veut dire? En els que intervenen més d'una parella de jugadors. I aquí també intervenen les capacitats cognitives. Quan jo parlo de nivell cultural, no estic parlant d'incultura, sinó estic parlant de la part de l'educació que tots intentem donar als nostres fills abans dels 7 anys.
aquesta cultura, aquesta cultura, aquests hàbits no o s'han donat on les ha donat o són molt difícils de traspassar quan són més grans. O alors c'est très difficile de les nivells, les estructures culturals internes d'aquesta gent no tenen res a veure amb la nostra, encara que visquin en la mateixa societat. La estructura interna de ces gens n'a rien à voir avec la nôtre, même si on habite dans la même société. Per tant, les seves escales de valors internes no són pas les mateixes que les nostres. Tot això, encara que sembli que no té cap tipus de... és el matís, tout cela, même pot ser el matís que defineix. Tout cela, c'est la même chose qui définit. Un equip. Un equip. D'un grup. D'un grup. Si no hi ha aquest procés que tots els nostres fills hem intentat i vull dir, jo ho tinc molt clar, el procés, els anys més importants de la vida d'un infant, pour lui, c'est très clair. Les années les plus importantes de la vie d'un enfant sont les 7 premières années de sa vie. Allà, il incorpora. Là-bas, il incorpore tots els mecanismes. Tous les mécanismes. Tots els mecanismes. Els mecanismes que incorporem nosaltres com a societat. Les mécanismes qu'on incorpore nous en tant que société. No es corresponen als mecanismes d'una societat que és diferent de la nostra. Ni millor, ni pitjor. C'est différent de la nôtre. N'est pas meilleur, n'est pas pire. Ni pire, ni meilleur, ni pire. I aquest fet, quan passa a ser dominant, et ce fait-là, quand il devient dominant, 80%, 80% acaba distorsionant finit, el concepte sobre el que es poden construir coses. Jo crec que això ho dificulta. Distorsionar el concepte sobre el que es poden construir coses. De qualitat de l'ensenyament. No estic parlant de parlar de la qualitat de l'ensenyament. Estic parlant de les habilitats interpersonals. I estic parlant de parlar de les habilitats intrapersonals. Jo no vull dir que una jugadora incorporada no vol dir que una jugadora incorporada menys intel·ligent. Són més intel·ligents. Però potser la seva intel·ligència emocional sí. No pot dir que és una intel·ligència emocional, oui. Perquè els mecanismes d'intel·ligència intrapersonal els elements d'intel·ligència inter i hi ha una diferència entre intre i inter, dintre i fora, l'empatia, l'habilitat social. Il faut faire la différence de dedans et dehors pour l'habilité sociale. I les interpersonals potser les tenen treballades diferents. Les intrapersonals peuvent être différentes. No sé, jo em preocupo d'intentar solucionar-ho, perquè per mi és molt important això. Per lui c'est très important et il se preocupe d'essayer de l'arranger. Si no, no aconsegueixo superar les dificultats. Si no, il ne peut pas surpasser les difficultés. Jo jugo amb nenes de 16 anys. Je joue avec des filles de 16 ans. A la Lliga Femenina 2. A la Lliga Femenina 2. Amb jugadores professionals. Des joueurs professionnels. I sense limitacions estrangeres. Et sans limitation étrangère. Puc trobar 4 o 5 estrangeres en un equip professional. Si jo no treballo moltíssim tots aquests mecanismes, si no treballo pas beaucoup tous ces mecanismes, al cap de dues setmanes, au bout de deux semaines, estem tots plorant. Ils sont tous en train de pleurer. Perquè el nivell de dificultat és altíssim. Parce que le niveau de dificulté est très élevé. Però per això ens estem preparant. C'est pour cela qu'on se prépare. Però per això ens estem preparant, no? És la diferència entre l'élite i no l'élite. C'est la différence entre l'élite et le pas-élite. L'élite. Per tant, quan parlo de cultura, no m'estic ficant amb la cultura del país, sinó amb la cultura incorporada. Mais de la culture encore. Però la més important per mi. Qui la més important per mi? La que s'incorporen els pares en el seu entorn familiar abans dels 7 anys. És cert que leur donen les parents. Els pares a l'escola, evidentment. Els hàbits. Les habitudes. Els valors. Les valors. Totes aquestes coses són... I que més grans és molt difícil. Qui plus grand, c'est très difficile de changer. Tots els problemes que he tingut jo amb noies, tots els problemes que he fet de fill, han estat problemes de famílies desestructurades des del moment del naixement. Han estat problemes de famílies desestructurades des de la naixença.
No pas de famílies desestructurades quan la nena té 14 anys. Et non de famille déstructurée quand la fille a déjà 14 ans. No. De nenes que els pares han tingut el fill i s'han separat. De filles que les parents les ont eues et se sont séparées. I que han estat cuidats amb els avis. Et elles ont été élevées par les grands-parents. No tenen mecanismes, problemes cada dia. Amb tot. Amb el menjar. Avec le manger. Les habits higiènics. Les habits higiènics. Qualsevol aspecte, problemes. Perquè aquest nen, als 7 anys aquests, no ha tingut aquesta incorporació. Després, quan arriben els 15 anys, ells decideixen si volen jugar o no. Quan ells arriben a l'âge de 15 ans, ells deciden si volen jugar o no. Perquè deixen de veure el món a través nostre i el veuen a través dels seus propis ulls. Perquè comencen a veure el món a través dels seus propis ulls. Per mi, els 15 anys, per lui, les 15 ans, són l'edat de les grans renúncies. C'est l'âge des grands renoncements. La gent deixa de fer música, la gent deixa de practicar coses perquè fins a aquest moment han estat fent les coses a través dels ulls dels seus pares. Penso que jusqu'à ce moment-là, ils faisaient les choses à travers les yeux de leurs parents. A partir d'aquell moment, prenen consciència del seu nivell real. Et vers 15 ans, ils prennent conscience de leur niveau réel. I de les possibilitats de futur que tenen. Et des possibilités de futur qu'ils ont. I si l'esforç que han de fer no els convenç... Et si l'effort qu'ils doivent faire ne les convainc pas... Ce qu'il ne comprend pas, c'est d'où il sort cette limite de 7 années. Bé, jo no crec cap mesura. Jo crec que l'habilitat, quan un és responsable d'un programa... Il croit que quand l'habilité, que quand un est responsable d'un programme... S'ha de recolzar... Il faut qu'il s'appuie... Amb els millors professionals que pugui, no? Avec les meilleurs professionnels qu'il peut. Perquè un no pot ser savi en tot. Parce que un ne peut pas être sage dans tout. Llavors, nosaltres treballem amb gent. On travaille avec des gens. Psicopedagogs. Psicopedagogs. Psicòlegs. Que analitzen aquests temes, no? Qui analitza aquest tema. Llavors, evidentment, quan diem 7 anys... Evidentment, quan on dit 7 ans... És una referència. C'est une référence. Gaire més no. C'est presque neuf, en fait. Gaire més no. Els hàbits reals... Les habitudes reales. Aquestes coses que s'incorporen i que després, sense donar-te en compte, t'ajuden a superar les dificultats de la vida. C'est juste qu'on incorpore et qu'après, sans s'en rendre compte, vous êtes à superer les difficultés de la vida. S'aprenen a la primera etapa de la vida. S'aprenen a la primera etapa de la vida. 7 anys. 8. 7 anys. Més enllà no, perquè el nen ja té consciència. A 9 ans, il a déjà conscience. Per tant, llavors, ja no són implantats. Donc, ils ne sont plus, ne leur implantent plus. Sinó que són adquirits. C'est à partir de moment de l'acquisition. Nens de 7 anys, tu implantes les coses. Quan els enfants de 7 anys, tu implantes les coses. Perquè no tenen capacitats d'adquirir res. Parce qu'ils n'ont pas de capacité d'adquirir. A partir que el nen ja té la pròpia capacitat d'adquirir... A partir où l'enfant a la propia capacitat d'adquirir... No és implantat. Ce n'est plus implanté. 7 anys és una referència. 7 anys és una referència. Une dernière question pour conclure. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs au catalogue sud qui ont marqué les sélections. L'Espagne, avec Aurora, a
mis en place un entraîneur d'origine italienne. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs compétents en catalan, Catalogne Sud. Que l'entraîneur d'Espagne est d'origine italienne, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'entraîneurs compétents en Catalogne Sud. Ser catalán no es una gran virtud, ¿no? Être catalán n'est pas une grande vertu. Para portar la selección española, ¿no? Pour diriger la selección española. El problema bàsic d'aquesta selecció que tothom coneix... El problema bàsic de cette selección... ...és que és autogestionària. C'est que es autogestion. Llavors, necessitaria un entrenador disposat a això. Alors, on a besoin d'un entraîneur disposé à cela. Que donne l'image suffisante. Qui donne l'image suffisante. Però que estigui disposat a acceptar l'autogestió del grup. Mais qui soit disposé à accepter l'autogestion du groupe. Això vol dir no fer d'entrenador. O sí. Ça veut dire ne pas faire d'entraîneur, oui. O sí. No sé. O sigui, simplement és dir analitzar la dinàmica del teu grup. S'analitzar la dinàmica du groupe. I prendre les decisions més adients. Et prendre les décisions les plus adéquates. Per què grup? Pourquoi le groupe? És no fer res. C'est ne rien faire. Llavors, aquest senyor que hi ha ara, alors, ha acceptat aquest rol, avec ce qui a ce rol, a canvi de diners i fama. A canvi de diners i fama. Et bien célèbre. Avec l'argent, il obtient la célébrité. D'autres questions, non? Merci Ramon Jordana d'être venu aujourd'hui et hier aussi. Et en espérant que ces trois petites conférences sur le basket féminin, sur le mini basket et sur le basket de haut niveau ont permis de rapprocher les deux Catalogne nord et sud. Gràcies per haver vingut aquests dies i esperar que aquestes xerrades han permès que s'apropi en Catalunya nord i sud. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Gràcies.